tel candidat à la présidence. Hein. Et il n'y a pas de souci d'être candidat président de la République. Hein. Tout le monde a cette qui coule pas avec candidat. Tshisekedi a été élu sur toute l'étendue du territoire national. Jean-Marc Kabound, en tant que député national, il n'a pas été élu le maire de Moamba. Il y a un maire à Moamba, ce n'était pas Kabound. Donc, je ne peux pas considérer que Montoya Zoki 15 000 voix comme député national ou 8 000 voix comme député national peut constituer une menace pour la Montoya Zoki élue par des millions de Congolais sur toute l'étendue du territoire national. Est-ce que vous avez formé un chantage T dans Mokondia Mboka? Ati, une force politique a besoin de ça de chantage T. Il a joué le rôle. Il y a un formateur pour créer cette majorité parlementaire. Le président de la République a été convaincu. D'abord du choix de Bahati comme l'acteur qui devait mener cette bataille-là. Mais des deux, par rapport, il y a un résultat, mais là qui est. Donc il n'a pas besoin, il y a routine d'abattre balabala pour l'accueillir Azali. Leader. Il y a ça, soutenir le deuxième mandat à chef de l'État, hein, après César. Nous soutenons le deuxième mandat de Félix Tshisekedi. Est-ce que c'était des propos d'un homme d'État? Papa Bahati Azara homme pacifique. Mon moto Azara pacifique, ce qui a lobby, ça veut dire qu'il y a le ras-le-bol. Discours, il y a président Bahati. C'est un discours politique, non, c'est pas. Je me rappelle encore président Joseph Kabila Lobaka Péango. Et Rwandais entre chez nous, la MONUSCO fait quoi? La MONUSCO observe. Les Rwandais tuent les Congolais sur son territoire, la MONUSCO observe. Le président Bahati a raison. Et le peuple congolais a raison. La MONUSCO doit plier bagage. On ne peut pas défendre la MONUSCO parce que Azali est inefficace sur terrain. Qui va payer tous ces dégâts matériels? Mais bah, vous avez payé la République d'Antilles du Congo. Il faut foutre à Bangomoroto. Il faut foutre à Bangomoroto.